Et salut tout le monde, c'est Xuki, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Coditeur de Rage Burst. Dernière mission de l'arc peut-être? Aria de Lumière, l'entrepôt des soldats à armes divines. Le capitaine Julius est devenu une singularité et a initié l'apocalypse assimilatrice. Soutenu par la division d'Extrême-Orient, le sang utilisera ses pouvoirs pour se frayer un chemin jusqu'à Friar. Là-bas, la voix de Yuno, canalisant la volonté de l'humanité tout entière, s'opposera à la singularité. Singularité, donnez tout ce que vous avez. Sûrement la dernière mission de cet arc. Donc la dernière fois, on avait affronté une chose bizarre. Je me souviens plus du nom de cette chose. Base de données. Aragami. On va descendre tout en bas. SAD 0. Qui était faible au brasier et gel, donc je m'étais pas gouré sur ça. Par contre, j'ai bien envie de prendre, charger un kit, le kit de gel. Je pense que ce sera un petit peu mieux. Et on peut y aller. À mon avis, on va avoir une sacrée cinématique. To Julius? Blood, come in. We're preparing to activate the devouring apocalypse. Director Sakaki, belay that order. Julius, it's us! Your friends! Wake up, please! Julius! You've taught me so much. Each of us can mend our shortcomings. When we're together, our weaknesses fade away. And only strength remains. Julius needs us more than ever. Let's bring him home! That's right. If we gave up on him now, all his dreams would be lost. And we're not gonna let that happen! So hold on, Julius! We're coming! Let's do this. We carry Romeo's strength inside us. There's no way we'll let Julius fall here! Oh ho 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 ho! Oh là là! C'est bon! Bonus temporaire vitesse! Allez! Bon mec! Ok, attends, attends. Attends, tu me fais des trucs un petit peu trop ouf. Il me fait penser un petit peu à une Arda Nova en fait. Est-ce que j'ai remis ma caméra? Tiens. Il me fait penser un petit peu à une Arda Nova en fait. Mais de loin. Bon, en gros, voilà, il y a une partie humanoïde. Ouais, maintenant que je me rappelle, l'Arda Nova, c'était une sorte de... Il y avait pratiquement deux... C'était pratiquement deux origamis en un. Ouais, voilà, il y a une partie humanoïde et après il y a autre chose.
Là, bon, ses attaques sont extrêmement différentes du Narada Nova. Souvenez-vous, premier boss final d'un arc, Narada Nova. C'était le directeur, l'ancien directeur de Fenrir qui s'était transformé en Arayami. Hein. Bon, on l'a déjà mis à terre, hein, donc je pense que c'est pas trop. On n'a pas trop de mal pour l'instant. Hop, hop. Non mais oh, qu'est-ce que tu essaies de faire? Qu'est-ce que tu essaies de faire? 37? Voilà, il a disparu. Hop. Hop. Bon, on arrive à faire quelques dégâts. Oh, c'est son art de sang. C'est son art de sang qu'on a déjà vu en cinématique. La première fois qu'on a vu un art de sang en fonction, on va dire. Hop. Bon, les gars. Je me suis pas remis de heal, par contre. Grosse erreur de ma part. Gros oubli de ma part. Mais bon, Julius, nous allons te sauver. Je sais pas si on va réussir à le sauver, en fait. Je sais pas du tout. Hop. Wow. Qu'est-ce que tu as cru faire? Moi, j'ai pas envie de tirer sur Julius. Je suis sûr que c'est le point faible de cet Aragami. Merde. Bien joué, ça. Voilà. Et qu'est-ce qu'il est classe, quand même? Il a des attaques hyper classe. Ce mob est génial. Comme ça, voilà. Là, on fait du 132, un petit peu par-ci, par-là. Oh. Évitons. Fuyons. Ouh, 37. Je ne vois plus rien. Hop. Non. Ouais, je suis pas sûr que la... Oh. Wow. J'allais dire, je ne suis pas sûr que la partie de Julius de cet Aragami soit vraiment la partie sensible, la plus sensible de cet Aragami. Je pense que c'est surtout les jambes, en fait. J'ai même pas fait gaffe si on pouvait avoir des loots avec lui. Ce serait très bizarre. Par exemple, Arda Nova, on pouvait la réaffronter plus tard dans le jeu, sous différentes formes. Mais là, on voit physiquement que c'est bel et bien notre très cher Julius. Putain, mais mes alliés, c'est dieu. Waouh. Mes alliés, c'est des dieux. Par contre, moi, au niveau du shoot, je suis loin d'être un dieu. Là, clairement, j'en suis loin. Hop. Oui, à chaque fois, il me sauve in extremis. L'éveilleur du monde. Ok, il s'appelle l'éveilleur du monde. Tout va bien. Monsieur, les chevilles enflées, qui ont tellement enflé qu'elles ont disparu, qu'elles ont éclaté. Regardez-le, il a plus de pied. Hop. J'ai essayé de taper, comme d'habitude, jusqu'au bout. Hop. J'ai voulu profiter. Mais cela n'a pas marché. Hop. Allez, 110 encore. 110. Un coup de 110. Hop. Ah. Ouah, mais les dieux. Les dieux. Bon, il est en train de clignoter fort. Hein. Genre, c'est limite si on le bat en 5 minutes. Hein. Je pense pas. Je pense qu'on est un petit peu trop... Shil a essayé de me sauver, mais j'ai vu le petit rayon vert, mais qui a été bloqué par l'éveilleur du monde. Je l'ai vu. Hop. Et mon petit pote. Pilule de régène 2. On va quand même prendre la pilule de régène 2. Hop. Ouais. On va quand même prendre la pilule de régène 2. Ça peut te faire plaisir. Ouais, il me reste plus beaucoup de PV. Allez, 129, 129, 110. Allez, il te reste pratiquement plus rien, meurs! Non! Je l'ai vu venir. J'aurais dû. Je suis même pas sûr que Paré m'aurait sauvé, en fait. Je suis pas sûr, puisqu'il me restait pas beaucoup de vie. Ok, il se protège. Puis il le régène. Allez. Quoi? T'essaies d'attaquer mes alliés? Bon, l'éveilleur du monde vaincu en 5 minutes 30. Wow. Sacré boss de fin, franchement. Eh.
Donne-moi des matériaux. Oh, il donne aucun matériau. Bon, à mon avis, on la réaffronte pas. On l'affronte juste dans cette mission et pas dans d'autres. Ok. Bon, bah, récompense lien brisé, je pense qu'on peut... Je veux bien tenter, les gars. Mais je crois pas qu'il est matériaux... De matériaux. Tranquillité. Morsure puissante. Tour de récompense. Oh, il a rien. They won't give in. Miss Takamine, this battle is not yet won. Go and get everything up and running. Hurry, woman! Got it, Director. Almost there. The bias field is being disrupted. It's just like the first. The bias field of a devouring apocalypse. Miss Takamine, report. Are we ready? Satsuki here. We're all set up for the show, Director. Just give us a spotlight. It's begun. Blood, retreat immediately! The field's fluctuating wildly. All right, let the song begin. I'm heading back to the lobby now. Get the live feed connected. Is this it, then? Is Miss Yuno's song fated to become our funeral dirge? What is that? Listen. The song. Can you all hear that? Can you hear it? You know your song. The whole world sings your melody. Bias fields are flowing towards Friar. They're coming from all over the world. Scientifically speaking, sound is little more than vibration in the air. But this is so much more. There is true power here. This is the power that turns the hope of one man to the hope of all. That takes one small drop and turns it to an ocean. Song of light.
will be wondrous. Julius, you're all right! Please, come back with us! I would love nothing more, Nana. Truly. Yet, I cannot stop the apocalypse from beyond this place. You have to stay. The singularity must remain here. That's the truth, isn't it, Julius? Yes. I am sorry, but I am bound to this place. There is no way for me to return. Then, we'll stay here with you! No, Shiel. No. You must go back. I entrust to you the protection of every soul holding to this precious song. It's not an order. It's simply my heartfelt wish. My friends, this is where I must face my final battle. You cannot intervene here. You belong safe on the other side. It is the only way. If, somehow, if you can forgive me, I want more than anything for us to fight together again. As one. As blood. Julius! Please. Your positions, all right? I can take it from here. As you wish, Julius. We'll keep everyone safe for you. I swear it. Gil, please. We can't just... Shiel, sweetie, come on. We need to do as Julius said. You're one of us, Shiel. And you always will be. We have to do this. So please stay with us. Be brave for Julius. Thank you.
Waouh. Et une scène animée. Je me rappelle plus si dans Résurrection ils en avaient fait. C'est peut-être pas impossible. C'est peut-être pas impossible. Donc le premier arc est terminé. Vous ne pensez pas que c'est la fin du let's play puisque le let's play ne fait que commencer. Non, vraiment, on est parti sur un long let's play. Là, on est à peut-être, je crois de souvenir, 37 épisodes. God Eater Resurrection avait fini au 52e épisode, 52 ou 53. Et vous savez, à chaque fois que je fais un let's play, je vous l'avais déjà dit précédemment, mais quand je fais un let's play, j'essaie de regarder par rapport aux youtubeurs américains, puisque bon, niveau francophone, il y a peu de personnes qui font les jeux manga que je fais. Je parle notamment de Sword Art Online, de God Eater, de Tales of, ou en tout cas ceux qui les commencent ne les terminent pas. Très très beau artwork encore une fois. Et du coup, si je me fie au niveau des épisodes, au niveau de pourcentage d'avancement dans le jeu où je suis à peine à la moitié. Je suis à peine à la moitié, ou un petit peu plus. Là, on a fait l'arc vraiment principal. Par contre, j'espère que les autres arcs vont se lancer un peu plus rapidement et accrocher plus rapidement. C'est-à-dire que pour les premiers épisodes, et je me souviens que j'avais dit « Ah, bah c'est normal qu'elle soit si classe, cette animation, parce que le... » Voilà, UFO Table, on le voit au milieu, là. Même là, Creator Office UFO Table, la scène a été faite par UFO Table qui est un studio d'animation qui est juste oufissime, qui a fait l'animation pour des animés tels que Tales of Zestiria. Et qu'est-ce qu'il est classe cet animé, au niveau des graphismes, au niveau de l'animation. Il y a God Eater, l'animé. Si vous n'avez jamais regardé l'animé, il est très très classe aussi. Les Fate Stay Night, Unlimited Blade Works. Enfin, tous les premiers Fate, tous les Fate en fait. Je sais pas si Fate Stay Night classique a été animé par UFO Table. Mais il y a juste Fate Apocrypha qui n'a pas été animé par UFO Table, ce qui est un petit peu dommage. Je trouve que l'animation est moins bien. Parce que clairement, je vais vous... Par exemple, le combat entre Archer et Lancer dans Fate Stay Night Unlimited Blade Works, c'est juste ouf. C'est juste ouf. Par contre, c'est très classe, là, ce qu'il y a pop. Je suis sûr qu'on fera des combats là-dedans. Je suis sûr qu'il y aura des trucs à faire. Du coup, on n'a pas réussi à ramener Julius. Mais je pense qu'on va quand même pouvoir le faire. Je pense qu'on va quand même pouvoir le faire plus tard. J'imagine, j'espère. Oh, regardez. Comment il s'appelle déjà, ce truc? Je me souviens plus, mais il est énorme. À un moment, il va se transformer en origami, on va rien comprendre. Mais je vous jure, regardez, cet animal est énorme. C'est terrible. Oh, et Shield, qui est tellement, tellement mignonne sur ce dessin-là. J'adore les endings de God Eater. Ils sont plutôt beaux. Regardez. Pas ces endings, mais God Eater, ils sont tellement géniaux. Je me rappelle plus s'ils sont tous similaires. Je crois pas. Je pense que ça change à chaque fois. Graphic artist Michael Le. D'accord. Beaucoup de personnes étaient sur ce projet quand même.
dans les dernières. Sinon je les laisserai un peu importe. Moi je préfère les garder. Produced by Bandai Namco Entertainment Incorporation. Écrasé, données sauvegardées. Voilà. L'arbre vortex. Ah, ça s'appelle l'arbre vortex. Succès déverrouillé. Des épisodes de personnages pour Kigurumi sont à présent disponibles dans l'applicable multijoueur. Mutsumi, Yae, Kunio et Kapi sont maintenant disponibles en tant que membres de soutien. Yae, Kunio, Kapi. L'épisode bonus de Yuno, une vraie promesse, est maintenant disponible depuis la section extra du menu de mission. Ok, on va checker un petit peu tout ça. Bonjour, Docteur Sam vous cherche. Dans Extra, une vraie promesse. Je pense que je ferai ça en off. Puisque le jeu est déjà assez long, je vais pas non plus faire les extras. Développement, nouveaux vêtements. Ok, division Extrême-Orient. Information sur l'arbre vortex ci-dessous. Notre officiel de QG de Fenrir. C'était l'enquête sur l'arbre vortex. Julius et Rachel se sont sacrifiés pour arrêter l'apocalypse assimilatrice. Yuno Hashihara et le sang les assistaient. Merci de vous confirmer vos informations ci-dessous lorsque vous évoquerez les événements concernés. Très bien. Liste satellite, à très bientôt. Maintenant, mon travail, blablabla, en parlant de Julius et les autres membres de notre. Ok. Satsuki Takamine. Retour au boulot. Yuno, blablabla. Bon, on s'en fout de tout ça. Est-ce que confectionner. Est-ce qu'on a des nouvelles armes? Est-ce qu'on peut améliorer nos armes? Non. Confection, armes de mêlée. Et si, il y a des nouvelles armes et on peut faire par exemple la Fokurogane B avec le polycarbonate. Bon, ça, peu importe. Hein. On a de nouvelles armes disponibles que je vais m'empresser de farmer. 317, plutôt pas mal. Lance Tigre Reine. 369, ça me change ça aussi. Et lance Kurogane B. Je veux juste pas ici. Je voudrais voir aussi les fusils. Je voudrais voir les fusils aussi en rouge à Pégactonien. Il y a plein de nouveaux. Oh, tout ce qui sort, tout ce qu'il y a de nouveau. C'est génial, c'est génial. Pas ça. Je peux toujours pas. Je pense que c'est pas possible de changer notre méthode d'assimilation. Avant c'était là, à la place de ça. Mais c'est. C'est unité de contrôle, hein. C'est juste pour augmenter nos stats, c'est un petit peu comme les améliorations de PO et de renfort corps à corps. Donc, bon, ok. Bonjour, le docteur Sakaki vous cherche, il est dans le bureau du directeur de division. Ok, est-ce qu'on a les difficultés 7 à débloquer? Non. Mission difficile, difficulté 7, non, pas du tout.
Bon, voilà. J'espère que vous aurez apprécié cette vidéo, ce premier arc. Et on se retrouve la prochaine fois pour débuter le second arc de God Eater Rage Burst. En attendant, je vais faire un petit peu de farming pour faire mes missions, pour améliorer mes armes, avoir de nouvelles armes. Et comme ça, on sera fin prêt pour débuter ce nouvel arc. Allez, sur ce, je vous dis bye bye tout le monde à la prochaine. Bye.